Aujourd'hui, c'est la dernière fois. Chacun maintenant, avant de me faire les conneries comme ça, va réfléchir par 10 fois. Je dis bien par 10 fois. Je ne mange pas chez quelqu'un. Je ne pars pas chez quelqu'un. Je ne fréquente même pas les gens. Je suis chez moi en permanence. Quand je finis mon travail, je rentre chez moi. Parce que je ne veux pas nuire à la tranquillité de quelqu'un. Je ne veux pas nuire à la vie de quelqu'un. Mais ce n'est pas... Donc, mes bras, j'ai été coupée par mon manager. Et là, je suis un peu calme. Voilà, je pense que c'est mon manager qui a raison quand il dit que commencer à accorder du crédit à ce genre d'énergumène, c'est leur donner un peu de ma lumière. Parce que ce sont des gens qui cherchent à briller par tous les moyens, tous les jours, mais qui n'arrivent pas parce qu'ils ont un sale karma. Ils n'arrivent pas. Ils sont obligés de racoler, de faire des courbettes, de lécher les bottes. Je ne lèche pas les bottes des gens. Que tu sois le pape, je ne lèche pas les bottes des gens. Je ne lèche les bottes de personne. Je suis ici parce que je le mérite. Pas parce que j'ai léché les bottes des gens, j'ai dû faire des courbettes aux gens, j'ai dû tailler des pipes et sucer des queues pour en arriver là. Je suis ici par mérite. Si je suis venu à Yaoundé, c'est par mérite. C'est pas parce que quelqu'un m'a tendu la main. Donc, je peux comprendre ta frustration. Je peux comprendre ce qui te dérange. Parce que sûrement, pour arriver où tu es, pour venir prester devant ces milliers de personnes, tu as dû faire des trucs que, quand tu regardes Muriel et que tu vois qu'elle est arrivée là par mérite, ça te dérange. Ça te dérange. Oui, ça te dérange. C'est tout ce qui te dérange. Cette frustration. Mais ne te sens pas frustré par moi parce que je n'occupe pas ta place. On n'est pas venu là-bas au même titre. On n'est pas venu là-bas. Et ne vous fiez pas à ce que les paresseux des réseaux sociaux disent. Si je suis arrivée où je suis aujourd'hui, ce n'est pas à cause du pouvoir des fesses, comme vous le dites, comme vous avez l'habitude de le dire. Ne prenez pas mon silence pour une faiblesse. Je vous dis ça tous les jours. Moi, je sais d'où je viens. Je sais ce que j'ai dû batailler. Batailler, pas ce que j'ai dû sacrifier pour être là. Je sais comment je me suis battue pour être où je suis. Ne vous méprenez pas. Ne vous fiez pas aux inepties qui se disent sur les réseaux sociaux tous les jours. Mon parcours, c'est un parcours de guerrière. Je suis une guerrière. Je me bats au quotidien contre moi-même, avec moi-même et pour moi-même, pour être ce que je suis. Je n'ai jamais, je dis bien jamais, eu accès à quoi que ce soit à cause de mes fesses. Jamais de la vie. Je dis bien. Donc le jour où tu vas faire les choses par toi-même, c'est-à-dire que tu veux organiser ton concert, tu décides même d'organiser ton propre concert à toi. Je dis pour toi, hein, sans l'aide, je ne savais pas quel genre de personne tu étais. Je croyais que c'était du bluff, parce que j'aime faire ma propre opinion sur les gens. Mais là, tu m'as montré tes limites et c'est vraiment pitoyable. Le jour que tu vas organiser un événement par toi-même, c'est-à-dire que tu ne fais pas le racolage derrière les gens pour qu'on te soutienne comme tu as l'habitude de faire, pour qu'on vienne à ton événement et que tu vas remplir des salles. Frérot, reviens-moi et on en parle. Parce que moi, je me lève. Bon, bref, je ne pourrais malheureusement pas vous raconter ce qui s'est passé hier parce que mon équipe me l'a empêché, me l'a interdit. Donc, voilà. Je ne sais pas jusqu'à combien de temps je vais tenir parce que ça me ronge. Je ne sais pas si je pourrais tenir même jusqu'à ce soir parce que ça me ronge. Mais la suite des événements dépendra de ce que cet énergumène-là viendra me répondre. Parce que je lui ai fait un message. Il a quand même eu le culot de venir corriger mes fautes de français. Là, c'est pas le français qui paye mes factures. Je suis désolée. Je ne suis pas française. Je suis camerounaise. Je suis banja. Si tu veux corriger mes fautes, viens corriger mes fautes dans le fait. Viens corriger mes fautes là-bas. C'est pas le français qui paye mes factures, bro.